image personnelle, mais publique, d'un fils aîné à sa mère, comme il en est de la défense dans un dossier controversé, l'exercice est difficile. On dit même que la première phrase est essentielle. Eh bien, au moins la voilà derrière moi. Maman, le président de la République a décidé de te rendre l'hommage de la nation que par le suffrage il incarne aujourd'hui. Il accompagne ainsi d'une solennité et d'un éclat particulier ton entrée dans l'histoire. Je l'en remercie chaleureusement, très chaleureusement. Tu rejoins au panthéon de notre récit national celle que j'appelais familièrement les deux Simone, de Beauvoir et Veil, tes sœurs de lutte et tes amies personnelles. Depuis ta disparition, les hommages sont unanimes. « C'est à croire que tu n'as jamais eu d'ennemis », a dit avec ironie un intervenant à tes obsèques. Et Régis Debray a complété son propos, citant Stendhal, « 100 ans après sa mort, le plus grand bonheur qui puisse arriver à un grand homme, c'est d'avoir encore des ennemis. De ce point de vue, tu es bien mal parti, maman, même si le chemin jusqu'au prochain siècle est encore long et si peu d'entre nous seront sur la ligne d'arrivée, mais je ne veux décourager personne. » Plus que cette unanimité assez courante en ce genre de circonstances où l'émotion nous saisit, c'est le contenu de ces hommages qui m'a frappé, car il te laisse comme coupé en deux par la Méditerranée, ce qui est pour le moins paradoxal pour une femme aussi entière qui n'a cessé de jeter des ponts entre les deux continents. Ici, on a célébré tes combats féministes, que de l'autre côté de la Méditerranée, on a tu, préférant mettre en exergue ton engagement anticolonial, qui ici est largement passé au second plan. Mais les hommages n'en disent-ils pas plus long sur ceux qui les rendent que sur ceux qui les reçoivent ? Pourtant, défendre l'indépendance et l'égalité des droits des peuples tunisiens, algériens, vietnamiens et palestiniens, et défendre l'indépendance et l'égalité des droits des femmes, c'était un seul et même engagement nourri par ta soif inextinguible de justice. En quelques instants, je vais m'attacher donc à essayer de te rendre ton unité, ta cohérence, en évoquant quelques épisodes, parfois de façon très impudique, mais on m'a dit qu'il fallait fendre l'armure, de nos deux vies entremêlées, et d'abord la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, plus de 60 ans après les accords d'Évian, peine à entrer dans l'histoire. Il a fallu quelques dizaines d'années pour accomplir un saut sémantique gigantesque qui consistait à la désigner pour ce qu'elle est, une guerre et non de vagues événements. On n'avait pas encore forgé le concept d'opération spéciale, mais il est du même ordre, le déni grotesque de la réalité d'une guerre. Pour nous, ce furent des années de terreur, à Paris comme à Alger. À Paris, où enfants en bas âge, mon frère et moi changions constamment de domicile et d'école lorsque les menaces d'enlèvement et de plastiquage de notre domicile se faisaient plus précises. Un étudiant armé de l'UNEF m'accompagnait à l'école et il lui était recommandé de ne pas prendre le même itinéraire à chaque fois. À la maison, arrivait un flot ininterrompu de petits cercueils dont certains très ouvragés témoignaient au moins des talents d'ébéniste de leurs expéditeurs. À Alger aussi, bien sûr, où tu as échappé par miracle à deux tentatives d'assassinat. Chez nous, on dit « avoir la baraka ». D'autres de nos confrères n'ont pas eu cette chance. Ils sont aujourd'hui oubliés. Leurs familles n'ont jamais formé d'association et n'ont jamais demandé quoi que ce soit à l'État. Il n'est pas de moment plus propice, ni de lieu plus approprié que cette enceinte de justice pour faire entendre leur nom. Maître Pierre Poppy, assassiné à son cabinet à Alger de 14 coups de couteau le 25 janvier 1961. Maître Pierre Garrigue,
Son successeur, assassiné au même endroit, le 1er mars 1962, de plusieurs balles de revolver. Les techniques d'élimination physique s'étaient sans doute modernisées. Maître David Zermati, assassiné à Sétif le 3 novembre 1961. Maître Mohamed Aberkan, tué le 2 février 1962. Maître Guy Fréchineau, assassiné dans son cabinet le 15 mars 1962. Et enfin, Maître Ali Boumengel, torturé et défenestré pour simuler un suicide le 23 mars 1957 par le général Ossarès en personne, qui n'hésitait jamais à mettre la main à la pâte. Ses avocats sont l'honneur de notre profession et font partie intégrante de la mémoire de cette guerre. C'est ensemble, maman, que nous avons vécu cette folle nuit du 23 avril 1961. Tu étais rentrée quelques jours plus tôt d'Alger pour fêter mon anniversaire. Des généraux français avaient la veille renversé par les armes le pouvoir légal à Alger et le général de Gaulle s'était emparé des pleins pouvoirs par application du redoutable article 16 de la Constitution. C'est la seule fois jusqu'à ce jour où il a été employé. Le soir, nous l'avons vu à la télévision. Dans une courte allocution solennelle, il a prononcé cette phrase restée célèbre. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Du haut de mes 9 ans, je ne l'ai pas comprise. Mais j'ai gardé dans l'oreille tous ces mots aux sonorités rugueuses, pleins de R, carteron, généraux, retraite, adaptés au ton martial et à l'image du chef de l'État en habit militaire. Par la suite, cette phrase nous est apparue comme la plus belle expression de l'éloquence politique, la plus efficace. Un carteron, c'est un petit groupe d'hommes avec une connotation plutôt péjorative. C'est un petit groupe animé de mauvaises intentions. Et par l'emploi de ce mot peu usuel, l'ennemi apparaît déjà comme déconsidéré et privé de toute capacité d'entraîner le reste de l'armée et notamment les appeler. Il est déjà isolé. Et ces généraux sont en retraite. Ils ne sont pas à la retraite. C'est l'indication, par le général de Gaulle, du sort qu'il leur réserve. Le recul, la déroute, l'échec. Mais ce n'est pas ce discours, mais celui de son premier ministre, Michel Debré, prononcé à la télévision quelques heures après, en pleine nuit, et invitant les Français à se rendre, je le cite, « à pied ou en voiture, dans les aéroports pour empêcher l'arrivée des parachutistes, qui t'a fait nous réveiller au milieu de la nuit, mon frère et moi. Tes gestes saccadés montraient ton inquiétude et ta volonté de nous voir rapidement quitter les lieux. Mais il arrive que la petite histoire familiale rencontre et contrarie la grande histoire en train de se faire. Et ce fut le cas à 2 reprises cette nuit-là. Mon frère refusait de s'habiller avant de savoir où nous allions. Excédé, tu lui as répondu que nous allions à une fête. Il a alors exigé de mettre ses habits de fête, qu'il a fallu retrouver dans l'urgence, au fond d'un placard, en perdant un temps précieux. Parvenu dans le hall de l'immeuble, la minuterie s'est interrompue, la lumière s'est éteinte et nous fûmes plongés dans le noir. L'étudiant de l'UNEF, chargé cette nuit-là de nous garder, s'est jeté sur moi pour me mettre à plat ventre. Dans notre voiture, garée devant le porche de l'immeuble, il y avait 2 hommes qui s'affairaient et tout le monde a pensé à ce moment-là qu'ils étaient en train de la piéger. Claude, mon beau-père, faisant preuve d'un courage physique exceptionnel, est sorti et les a mis en fuite. Par la suite, il a longuement inspecté le véhicule. Il n'y avait aucune trace d'explosif. Mais cette nuit-là, nous avions aussi croisé le chemin de 2 vulgaires voleurs de voitures.
Nous avons été cachés chez Marie-Claire de Fleurieux, à l'époque la compagne de Pierre Mendès-France, et tu es entré dans la clandestinité. Aujourd'hui, malgré ces années de plomb, je n'échangerai mon enfance contre aucune autre, car comme la tienne, elle me constitue. Et l'enfant, et l'enfance, disait si justement François Mauriac, est le tout d'un homme, puisqu'elle en donne la clé. Plus de 15 ans après les accords d'Évian, l'Algérie s'est rappelée à notre bon souvenir lorsque, rétif au maniement des armes, allez savoir pourquoi, j'ai choisi d'accomplir mes obligations militaires dans la coopération et formé le vœu d'être affecté en Amérique du Sud ou en Amérique centrale puisque je parlais la langue. À Waterloo, on attendait Grouchy et ce fut le général prussien Blücher. Moi, de manière plus prosaïque, j'attendais une affectation à Valparaiso ou Mexico, et ce fut Constantine, dans l'est de l'Algérie, où j'ai enseigné le droit à l'université. Nous nous sommes amusés de cette situation inversée. Moi en Algérie et toi en métropole. Immergé pendant 2 ans dans la société algérienne, j'ai pu mesurer l'ampleur et la persistance du traumatisme né de la guerre qui, là-bas, touchait chaque famille. Dans le même temps, tu défendais dans une ambiance électrique devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence 2 jeunes femmes belges battues et violées une nuit durant dans une calanque de Marseille par 3 individus du coin soutenus par la population. Cet autre procès emblématique a conduit le législateur à faire du viol un crime mieux défini et d'en aggraver la répression pénale. De retour d'Algérie, j'ai pris, seul de tes 3 fils, la décision périlleuse, avec une telle ombre portée, de prêter le serment d'avocat, ici même, dans cette salle, et tu étais présente. Je ne l'ai jamais regretté. Et toutes les consœurs et tous les confrères que je vois aujourd'hui derrière moi connaissent les 1001 raisons de cet attachement à notre profession. Cela nous a valu d'innombrables déjeuners en tête à tête où tu me conviais pour, disais-tu, parler boutique, c'est-à-dire échanger sur nos pratiques de la défense. Alors, les défendre tous ou les défendre toutes ? Partager la cause de celui ou de celle qu'on défendait dans les procès politiques, ou au contraire s'en affranchir par souci d'efficacité et d'indépendance, refuser toute légitimité aux tribunaux d'exception réduisant la justice à une caricature, ou au contraire plaider sagement son dossier pour sauver ce qui pouvait l'être, ce furent autant de sujets dignes de l'épreuve de philosophie du baccalauréat que nous avons maintes fois abordé. Nous pouvions avoir des divergences, mais nous nous sommes toujours retrouvés sur les principes essentiels de notre profession. Le secret professionnel, sans lequel il n'existe pas de relation de confiance entre le justiciable et son défenseur, et partant, pas de défense libre, et l'état de droit, dont la présomption d'innocence est la frontière infranchissable et pourtant aujourd'hui si souvent traversée. Comme dans la chanson de Jacques Brel, « Bien sûr, nous eûmes des orages ». Il a pu m'arriver de me montrer froissé, c'est une litote, de t'entendre regretter publiquement, ad nauseam, de ne pas avoir eu des filles à la place de tes 3 garçons. On le serait à moins. Je n'avais pas cette information à la naissance, car sinon, nouveau-né susceptible, je serais peut-être retourné dans le placenta d'une autre. Qui sait ? J'ai pu faire amende honorable en te donnant ta seule petite fille, avec laquelle tu as entretenu une relation très passionnelle. Mais facétieux, très peu de temps après, je t'ai aussi donné ton seul petit-fils, faisant entrer un 4e garçon au sein de notre famille. Petit, il avait le teint d'albâtre et des traits si fins que seule la prudence m'interdit de les qualifier de féminins. Tu l'as surnommé le petit prince
et tu l'as aimé tout autant. Nous eûmes des orages, des éclipses, quelques hivers et beaucoup d'été, mais le ciel capricieux de notre relation ne fut jamais encombré des nuages sombres de l'indifférence qui seul aurait pu altérer la force de notre lien. Infatigable, tu as participé à tous les débats précédant les élections nationales depuis un demi-siècle et la dernière fois, lors des dernières élections européennes, où tu as défendu la clause de l'européenne la plus favorisée. C'est une idée simple, encore fallait-il la voir. Elle vise à partir d'une étude approfondie de droit comparé à harmoniser par le haut les règles juridiques qui concernent les droits des femmes. C'est une œuvre de longue haleine qui mérite d'être poursuivie, car pour ne prendre que ce seul exemple, on mesure le saut qualitatif que représenterait pour la vie des femmes polonaises ou irlandaises le bénéfice du droit à l'avortement des femmes espagnoles, qui est le plus avancé d'Europe. Enfin, empruntant la phrase à Marguerite Yourcenar, tu as dit vouloir mourir les yeux ouverts, et tu n'as tenu parole. Tu es parti où tu l'as voulu et quand tu l'as décidé. Où tu l'as voulu dans ton appartement parisien, où tu as vécu pendant plus d'un demi-siècle et où tu avais installé ton cabinet. Il avait quelques mois plus tôt été entièrement détruit par un incendie. Je l'ai fait reconstruire. Tu es parti quand tu l'as décidé, au lendemain de ton 93e anniversaire, comme une dernière coupe de champagne lancée effrontément à la face du monde. La boucle était bouclée. Alors, chapeau l'artiste. Aux obsèques d'un de ses amis poètes, Aragon a eu cette phrase : il est des morts qu'il ne faut pas pleurer, mais continuer. Assurément, tu es de cela. Maman, aujourd'hui, entourée de ma famille et devant les plus hauts représentants de la nation, je me sens un peu seule. Même nos disputes me manquent. Mais lorsque ce manque pousse un peu trop fort sa corne, je me dis qu'il n'est rien d'autre que la manifestation de cette querelle incessante que chacun d'entre nous entretient avec sa propre faim. Dans cette salle du palais de justice, chaque année, les jeunes avocats prêtent un serment qui scelle leur entrée dans la carrière. Et dans cette même salle, comme dans des dizaines d'autres, partout en France, chaque année, ce sont les mots d'un pacte noué autour de l'éthique d'une profession qui résonne. Ces mots furent choisis par Gisèle Halimi. En 1949, dans la salle du palais de justice de Tunis, elle avait dû prononcer un serment qu'elle trouvait cérémonieux, vieilli, étouffant, parce qu'il évoquait les bonnes mœurs et qu'il instaurait entre le jeune avocat et l'État un rapport de subordination. Alors en 1982, la députée Gisèle Halimi proposa au garde des Sceaux, Robert Badinter, de moderniser la formule et de la concentrer sur quelques mots.
presque un manifeste. Dignité, conscience, indépendance, humanité. Ces mots, mesdames et messieurs les avocats, ce sont les siens, ce sont les vôtres, ce sont ceux de la République. Pourtant, malgré les apparences, ce n'est pas lors de ce serment de 1949 que Gisèle Halimi endossa son métier. Car Gisèle Halimi n'était pas devenue avocate. Elle était née avocate. Pour elle, ce n'était pas une profession, pas même une vocation, sans doute un peu plus qu'un idéal. C'était avant tout son tempérament, celui qu'elle exprimait dès son plus jeune âge, oui, dès son enfance. Dans une famille pauvre et séfarade de Tunisie, Gisèle Halimi était telle qu'elle apparaît aujourd'hui, à l'heure de lui rendre hommage, d'une fièvre indocile et d'une colère brûlante. La première fois que Gisèle Halimi fut avocate, sans doute, elle était une jeune fille qui contestait l'ordre familial. D'abord pour arracher le droit de poursuivre sa scolarité et de lire des livres. Ensuite, pour refuser d'accomplir les tâches ménagères dont ses frères étaient exemptés. Dans sa famille, dans son milieu, à son époque, on considérait que ne pas être un garçon était une malédiction. Et du point de vue des siens, le deuxième sexe était le mauvais sexe. Celui qui ne peut étudier, que l'on doit marier à grands frais, celui qui n'a ni choix ni destin. Mais celle qui s'appelait encore Zaïza Taïeb se rebella. Et à 10 ans, elle entreprit une grève de la faim. Elle porta cette exigence d'égalité avec ses frères. Elle en fit une question de principe. Elle ne revendiquait pas seulement pour elle. Elle plaidait une cause universelle. Et dans cette cuisine de la Goulette, elle était déjà à la barre, indignée, ardente, irréfutable. Elle forgea très vite les armes nécessaires pour mener ses combats. Elle lut tous les livres qu'elle put. Elle fut si méritante et si brillante qu'elle obtint une bourse et put payer ses études. Elle repoussa l'homme plus âgé qu'on voulait lui faire prendre pour époux. Elle martela dans son cœur l'amour d'un pays, la France, dont elle imaginait les paysages et retenait les poèmes. À l'école, elle s'indigna à haute voix des ordres des ligues de loyauté du maréchal Pétain. Bachelière, elle parvint à arracher à ses parents l'autorisation de partir à Paris pour étudier le droit. Devenue avocate, Gisèle Halimi, maître Halimi, décida d'user de sa liberté conquise pour recouvrer celle des autres. Elle, qui avait vu de ses yeux d'enfant le poids de la colonisation, plaida pour la cause tunisienne. Elle alla jusqu'à l'Élysée chercher la grâce présidentielle afin de sauver un homme promis à l'exécution. Elle y revint souvent, sollicitée d'autres gestes de clémence. Gisèle Halimi savait ce que la peine de mort veut dire, le vertige, la déchirure, la violence infinie. Elle avait lu Victor Hugo et refusé que quelque part, dans un cachot, seul, abandonné, un être humain en soit réduit à attendre le dernier jour, la dernière minute, la dernière seconde du condamné. Puis, quand la guerre d'Algérie éclata, rien ne fit reculer Gisèle Halimi. Ni l'opprobre, ni les menaces, ni même un simulacre d'exécution. Elle sillonnait les campagnes algériennes pour plaider dans les tribunaux militaires itinérants. Elle avait le sentiment de soutenir par ses mots et ses démonstrations ce qu'elle savait de la liberté et des droits promis par la République. En 1960, dans la prison de Barberousse à Alger, elle rencontra une jeune femme qui l'appelait pour sauver sa vie et qui allait changer la sienne. Djamila Boupacha était accusée d'avoir déposé un obus piégé dans un café, désamorcé à temps. Elle avait reconnu les faits,
L'humiliation, la torture, le viol l'avaient accablée. Et Gisèle Halimi voulut faire de cette condamnée à mort le remords vivant d'une guerre que l'on refusait d'avouer, de traitements indignes que l'on infligeait, de la justice que l'on dévoyait. Dans ce procès aux proportions du monde, qui suscita des manifestations à Washington comme à Tokyo, Gisèle Halimi prit l'opinion à témoin. Elle enrôla Simone de Beauvoir, son amie et sa professeure de courage, pour signer une tribune. Aimé Césaire, Germaine Tillion, Louis Aragon, Geneviève de Gaulle, tant d'autres rejoignirent alors le comité de soutien. Elle porta plainte en forfaiture contre le ministre des Armées et le général en chef, afin d'obtenir le nom des soldats soupçonnés de torture. Jamila Boupacha échappa à l'exécution de sa peine et fut transférée en France. Elle fut amnistiée après les accords d'Évian. Avec elle, avec d'autres, Gisèle Halimi a porté la cause de l'indépendance algérienne. Avocate, elle fut la procureure de ce que les autorités françaises de l'époque faisaient, de la manière dont elles le faisaient. Et si aujourd'hui la guerre d'Algérie a quitté les prétoires, elle doit maintenant prendre toute sa place dans notre mémoire, ici en France et aussi en Algérie. Mémoire partagée, reconnue, avant d'être apaisée. Et c'est bien à cette fin qu'une commission conjointe d'historiens a été décidée avec le président algérien et sera prochainement installée. Elle sera chargée de travailler sur les archives de nos deux pays, du début de la période coloniale à la guerre d'indépendance, et c'est ce devoir de vérité. Porter dès le début, avec courage et à quelques-uns, par Gisèle Halimi et d'autres, qu'il nous faut poursuivre. Gisèle Halimi, sa vie durant, a été une femme révoltée. Révoltée parce que née femme, juive, tunisienne, révoltée face à l'oppression, au colonialisme, à l'antisémitisme, au racisme, révoltée comme Camus l'était pour délivrer non seulement les victimes, mais l'humanité entière. Alors, Gisèle Halimi devint l'avocate de la cause des femmes. En 1971, au risque d'être radiée du barreau, elle fut la seule de sa profession à signer le manifeste des 343, publié par le Nouvel Observateur de Jean Daniel et de Claude Perdriel. Des femmes célèbres y déclaraient avoir avorté. Avec courage, elles donnaient de leur notoriété ou de leur pouvoir pour protéger celles qui n'avaient ni l'un ni l'autre. Ces 343 faisaient corps avec les millions de femmes qui avaient voulu disposer du leur. Ce manifeste rompait l'hypocrisie d'un avortement considéré comme un délit, acquis comme un luxe, consenti comme une faveur ou comme un secret. Ces femmes exigeaient de décider pour elles-mêmes, de disposer de la liberté de choisir, selon le nom de l'association que fonda Gisèle Halimi cette année-là. En 1972, ce fut le procès de Bobigny. Marie-Claire Chevalier, violée à 16 ans, avait eu recours à l'avortement. Elle fut dénoncée par son violeur. Sa mère, ainsi que trois femmes tenues pour complices, étaient poursuivies. Et Gisèle Halimi décida aussitôt de faire le procès de ce procès, d'appeler à la barre un accusé qu'elle appelait idéologie, une idéologie qui avait bâti un monde où les hommes jugeaient les femmes. C'était la plaidoirie d'une avocate qui forçait toute une société à regarder en pleine lumière l'absurdité d'une loi qui condamnait les victimes. Avec cette défense de rupture, refusant la légitimité de la loi et la logique des juges, Gisèle Halimi marqua une brisure.
quelque chose de ce monde fini qu'elle évoquait à l'audience était vaincu et l'avortement fut légalisé. 3 ans plus tard, avec la loi sur l'IVG portée par son amie Simone Veil et le président Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a plus de procès pour avoir avorté, ni à Bobigny, ni ailleurs. Il y a pourtant les mêmes chefs d'accusation, les mêmes pleurs, la même honte dans des tribunaux d'autres pays du monde. Revenu sur la marche des droits des femmes. Parce que des idéologies réactionnaires espèrent tenir leur revanche sans doute sur les avocates, les activistes, les engagés qui les ont jadis fait plier. Parce que le droit des femmes est toujours une conquête fragile. Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible, pour adresser aussi un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée. Aussi, les avancées issues des débats parlementaires, à l'initiative de l'Assemblée nationale, puis éclairées par le Sénat, permettront, je le souhaite, d'inscrire dans notre texte fondamental cette liberté, dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparé dans les prochains mois. Non. Nous ne voulons plus jamais de procès de Bobigny. Comme nous ne voulons plus jamais de procès d'Aix-en-Provence. En 1978, dans le palais de justice de cette ville, Gisèle Halimi y défendait 2 victimes de viol, Anne Tonglet et Araceli Castellano. Les débats se déroulaient dans une ambiance haineuse. On blâmait, on molestait les victimes. Sur les marches du palais, on insultait Maître Halimi, on giflait sa collaboratrice. On interrogeait les 3 accusés, surtout à la lumière de lois dont les lacunes ou les préjugés se cachaient mal. Le viol était qualifié de coups et blessures ou d'attentat à la pudeur. Il n'était pas défini au code pénal, on le jugeait d'ordinaire à 8 clos. Gisèle Halimi, alors, pris le parti de faire le procès du viol, et pas simplement des violeurs. Face au mépris palpable, elle fit du tribunal une tribune pour accorder les mots aux faits. Grâce à elle, les 3 accusés furent lourdement condamnés et un débat national s'ouvrit. 2 ans plus tard, la loi du 23 décembre 1980 permit de pénaliser le viol, de qualifier ainsi réellement les faits qui en relèvent, sans plus d'hypocrisie, de dissimulation. Par son cran, par son caractère mêlé d'impatience et de méthode, par la force irrésistible de ses démonstrations, Gisèle Halimi avait fait s'écrouler des dispositions injustes de notre droit. Elle avait comme soufflé avec ses plaidoiries les mots du législateur. Mais elle voulait que les femmes s'emparent pleinement du pouvoir d'écrire les lois. En 1967, en 1978, en se présentant aux élections législatives, elle mena ce combat pour l'irruption du féminisme dans notre vie politique. En 1981, elle fut élue députée. Elle défendit, aux côtés de Robert Badinter, l'abolition d'une des dernières dispositions iniques réprimant l'homosexualité en France et héritée de Vichy. Elle voulut, en vain, instaurer une exigence de parité, donner de nouvelles libertés aux femmes. Elle se heurta, trop souvent encore, à un monde d'hommes goguenards, exaspérés, insensibles à ses combats. Elle trouva alors d'autres chemins pour porter ses causes, ambassadrice à l'UNESCO, engagée auprès d'Attac,
combattante de la lutte pour faire changer notre Europe. Gisèle Halimi devint ainsi la figure du féminisme contemporain, d'un féminisme qui veut éveiller les consciences, anéantir les inégalités, tendre avec exigence et détermination vers un monde de concorde entre les femmes et les hommes. Choisir la cause des femmes pour Gisèle Halimi, ce n'était pas faire le procès des hommes, c'était mettre à bas un système où les hommes dominent, endossent des représentations qui les favorisent. C'était retrouver une évidence universelle. Il est injuste, insupportable, qu'une petite fille doive servir son frère aîné à table. Mais quel que soit son sexe, chacun est lié par une fraternité de destin. Il était donc logique de s'appuyer sur l'aide de Jean Rostand pour fonder Choisir, sur celle d'Alexandre Minkowski, Jacques Monod et plusieurs autres grands savants venus déposer à la barre pour défendre les femmes. C'était ainsi refuser toute suggestion économique, culturelle, religieuse et embrasser pleinement notre laïcité. C'était vouloir qu'il n'y ait ni oppresseur ni opprimé, mais simplement une nation de citoyens libres et solidaire. Mais quels que soient ses mandats ou ses fonctions, Gisèle Halimi ne pouvait cesser d'être avocate. Au dernier jour de sa vie, vous l'avez évoqué, elle habitait encore cet appartement accolé à son cabinet professionnel où rien n'était étanche entre son métier et sa famille. C'est là qu'elle éleva ses trois fils, Jean-Yves et Serge Halimi, ainsi qu'Emmanuel Faux. Monsieur Maître, vous avez évoqué tout à l'heure, avec pudeur et émotion, cette conversation qui n'a au fond jamais cessé avec cette mère si libre et courageuse. Et permettez-moi d'avoir en ce jour une pensée particulière pour Emmanuel Faux, disparu l'été dernier, qui œuvra de tout son cœur pour faire vivre la mémoire de votre mère. Je sais que beaucoup ici l'ont aimé pour son intelligence et son humanité, et je veux associer son souvenir à cet hommage. Lui aussi avait grandi, avait appris, avait aimé dans cet appartement que Gisèle Halimi partageait avec son mari Claude Faux, un homme gagné au féminisme. C'est là, pendant des décennies, que défilèrent des dizaines de femmes, victimes en quête de secours, militantes à la recherche d'inspiration, intellectuelles guettant la lumière venue d'une frêle silhouette à la force indomptable. Celle que Gisèle Halimi appelait affectueusement ses groupes. Et dans l'appartement de Gisèle Halimi, ce sur quoi fatalement tombait le regard du visiteur, c'était sur cette robe d'avocate qu'elle avait revêtue en 1949 lors de sa prestation de serment. Au moment du procès de Bobigny, Gisèle Halimi avait dit ressentir un parfait accord entre son métier qui est de plaider, qui est de défendre, et sa condition de femme. Cette robe était le vêtement, ou plutôt l'uniforme d'un engagement. Et c'est à l'honneur de cette robe qu'on a reproché à Maître Halimi de porter atteinte lorsqu'elle a signé le manifeste des 343. Cette robe. Maître Halimi racontait souvent comment, par angoisse, lors d'un délibéré, elle l'agrippait et la tordait nerveusement. Cette robe, qu'a-t-elle ignorée de ces décennies de dévouement et de combat ? Car cette robe porte encore un peu de sable de Tunisie comme d'Algérie, un peu des matins tristes du procès de Bobigny et quelque chose de la moiteur suffocante de celui d'Aix-en-Provence. Cette robe est celle des consoeurs et confrères défendant des femmes victimes de violences et qui sans doute dorment aussi peu qu'elles la veille des audiences, sont tordus par la même inquiétude et guettent l'issue d'un procès dans des salles des pas perdus des tribunaux de France et font et défont
comme elle le faisait, cette boutonnière. Ses avocates et ses avocats parlent avec les mots et sous les coups de la rage de Gisèle Halimi. Ils mènent à son image un combat féministe que nous devons poursuivre. Défendre la liberté des femmes pour disposer de leur corps et de leur vie, lutter pour l'émancipation économique et l'égalité professionnelle, accroître la répression des violences sexuelles et sexistes, accélérer la participation des femmes à la vie politique, sociale et culturelle de notre société. Ces avocates et ces avocats peuvent aujourd'hui plaider en se fondant sur un droit que Maître Halimi a fait changer. Par colère, conviction, méthode. Ces combats, elle les a portés, elle les a marqués, et nous les continuerons. Vive la République et vive la France.